Festival de la fiction TV à Saint-Tropez, toujours place des Lys, toujours au café, le café. Et nous recevons Vincent Winterhalter qui a eu l'amabilité de se rendre disponible pour quelques minutes. Vincent, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, nous allons parler de ton actualité. Pour quelle raison es-tu venu au Festival de Saint-Tropez ? Je suis venu parce que je présente un film qui s'appelle Les Peines Sardines, qui a été réalisé par Marc Rivière, qui sera présenté demain. Je ne sais pas quand sera diffusé. Le film, donc demain, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on sera le 19 à 14h30 au cinéma à côté, qui est une histoire de femmes qui, au début du siècle, qui travaillaient dans une conserverie de sardines et qui se mettent en grève et qui ont fait une vraie bataille pour obtenir 5 centimes d'augmentation et qui ont fini par obtenir gain de cause grâce à l'intervention, en l'occurrence, du personnage que je joue, qui représente les syndicats et qui est une sorte de figure qui pourrait s'apparenter à Charles Tillon. Qui a fini ministre de l'aviation sous De Gaulle, je crois, qui était un communiste de la première heure, révolté de la mer Noire. Alors, est-ce que ton personnage est aussi humain que dans ce qu'on t'a vu habituellement, c'est-à-dire le boiteux ? Oui, certainement. Ouais, c'est pas du tout le même contexte. Là, c'est un. Oui, bien sûr, c'est un homme qui vient de Paris à pied, certainement, au début du siècle, pour défendre un combat de femmes. Donc il y a une grande humanité, il y a une histoire d'amour, il fait une rencontre d'une femme qui est jouée par Carole Richer, qui a le rôle principal du film, enfin qui est le personnage, si vous voulez, qui nous emmène dans cette histoire. Et je crois qu'il présente beaucoup d'humanité, de tendresse, d'attention aux autres. Deuxième question, si tu veux bien. Nous travaillons pour un site de jeunes comédiens, certains tout à fait confirmés, d'autres moins. Donc j'aimerais que l'on parle, que l'on s'adresse à eux. Et pour cela, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ta formation d'acteur. Quelle est ta formation ? J'ai une formation assez éclectique. J'ai fait peu de cours, ou énormément de cours, mais il n'y a pas vraiment de cours dans lesquels je sois resté très longtemps. J'ai fait des stages, j'ai monté 2 compagnies. En fait, pour moi, je suis passé par la fac aussi, pour des raisons financières. C'était gratuit et j'avais l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui avaient soit qui étaient des intellectuels ou de l'histoire de l'art ou du travail corporel. Donc j'ai pris énormément d'UV, parce que c'était dans le cursus d'un Doug Hart, dans ce qui concerne la fac. Enfin, c'est pas très intéressant de parler de mon cursus à la fac, je suis resté qu'un an. J'y suis allé pour prendre des cours et je pensais que ce qui était important pour un acteur, c'était de jouer, de se retrouver en situation de jeu. Donc j'ai multiplié le plus possible les expériences. J'ai fait du théâtre de rue, je fais partie de plusieurs chorales. Il fallait que je joue, quoi. Donc pas de grands cours consacrés, traditionnels, pas de grands conservatoires. J'aurais adoré, mais j'ai pas été sélectionné. J'ai passé plusieurs concours, Conservatoire National d'Art Dramatique à Paris. J'ai présenté l'école de Nanterre aussi, le cours Florent. Enfin, j'ai essayé de faire comme tout le monde, mais ça a pas marché. Et tu penses que ça t'a apporté quelque chose de plus, que ça t'a amener quelque chose de moins? Vois-tu une différence entre le cursus traditionnel et le tien? Ben non, parce que j'ai fait que le mien. Donc je sais pas quelle est la différence. Je vois des acteurs, mais comme chacun a un parcours particulier, je sais plus quel acteur disait à qui des parents d'un jeune homme qui voulait faire ce métier en disant mais quel est le... Attendez que je vous raconte bien l'histoire. Quelle est la voie qu'il faut suivre ou quel est le chemin? Et lui a répondu, écoutez, quelle est la recette? Et il a dit, il n'y a pas de recette, mais il faut la connaître. Et donc, ce qui c'est vraiment, chacun son parcours. Donc moi, j'ai multiplié les aventures en me disant, faut que je joue, faut que je me retrouve en situation de jeu pour voir comment je réagis devant un public, avec un texte, que ce soit moderne ou classique. J'ai joué en anglais, je suis parti aux États-Unis, enfin j'ai vraiment bourlingué comme ça. Polyvalent donc. Polyvalent. Jusqu'à un certain point, quoi. C'était toujours le jeu qui m'intéressait, proprement dit. Donc, dans différentes. Je fais énormément de théâtre, ce qui est mon activité principale. Je tourne un petit peu pour la télévision, très peu pour le cinéma. Ce que j'aime, c'est jouer. Qu'est-ce qui explique, selon toi, ta réussite actuelle ? Mon charme, mon talent, ma voix. Je sais pas. Non, c'est des rencontres, c'est le fait, c'est-à-dire plus j'ai joué, en fait, ce qui est difficile, et en ce sens-là, c'est, je pensais que c'était très important de participer à une grande école,
c'est que ça nous fait rencontrer le métier. Ce qui est difficile pour un acteur, c'est d'exister, de faire savoir qu'on existe. Et tant que tu joues, c'est pour ça que moi je voulais jouer, parce que si quand je joue, il y a des gens qui sont là pour me voir, donc ils voient que j'existe. Quand on fait une grande école, comme le conservatoire, il y a des journées où les comédiens sont vraiment exposés, ils travaillent avec des professionnels qui sont en activité, et ce qui fait que tu sors du conservatoire, la plupart du métier te connaît. Si t'as pas fait le conservatoire, les gens ne connaissent pas, donc il faut te faire connaître, donc il faut jouer, un jeu, inviter les gens, il y en a, personne ne vient, tout d'un coup il y a un spectacle, il y en a un qui te voit, qui te dit ah tiens, oui pas mal. Puis il en parle à un autre, et puis il y en a un autre qui vient, et puis c'est un effet comme ça de... À force, si vous voulez, les gens commencent à vous connaître. Et moi, j'étais très surpris quand des gens, tout d'un coup, m'appelaient Vincent dans le métier que moi, je connaissais pas. Il y a une différence fondamentale, selon toi, entre l'acteur de cinéma, parce que tu parles beaucoup et je sens que ça te plaît énormément, le théâtre. Il y a une différence fondamentale entre l'acteur de cinéma et l'acteur de théâtre ou le comédien de théâtre. Y en a-t-il un qui soit plus valorisant que l'autre, selon toi? Je pense pas, non. Enfin, ça tout dépend du regard qu'on porte dessus. Moi, je trouve qu'au théâtre, on a le temps de chercher, on a le temps d'aller fouiller dans des situations, dans des enjeux, réessayer. On va peut-être plus loin dans le travail, et parfois aussi, on s'éloigne de la justesse à force de chercher. Et devant une caméra, il y a une spontanéité, quelque chose de l'instant, de l'ordre de l'instant, qui est moins important au théâtre, hein, qu'on serait supposé essayer de trouver. C'est pour ça qu'il y a un mois ou un mois et demi ou deux mois de répétition selon l'ampleur du texte. Alors qu'au cinéma, tu travailles seul d'abord, parfois avec un metteur en scène s'il a envie de faire des répétitions. Et puis le moment où ça se fait, c'est là, devant la caméra, on fait quelques prises, quelques répétitions, quelques prises, et puis c'est fini, on revient plus dessus. Et le personnage se construit, enfin en ce qui me concerne en tout cas, à partir de ce qui est déjà tourné, ce qui est dans la boîte. Après je sais pas la prise qui va être choisie, mais j'ai en mémoire, et très longtemps ça par contre, on garde en mémoire très longtemps ce qu'on a fait de façon assez précise. Et donc le personnage se construit autour de ça, alors qu'au théâtre, on construit sur la globalité, et puis tu rentres sur scène, tu peux panner la première scène, te récupérer sur au deuxième acte, ou avancer comme ça, et le personnage c'est sur la durée, c'est-à-dire que le film se fait en direct, et sur la totalité du parcours du personnage. Alors qu'au cinéma, c'est des petites touches comme ça, de à droite, à gauche, on revient en arrière, c'est souvent tourné dans le désordre. Ce qui fait qu'au niveau de l'acteur, je pense pas que ce soit... quelque chose qui change fondamentalement. Le théâtre demande une technique qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément besoin au théâtre. Le cinéma demande aussi une technique que je pense qu'on a. Peut-être l'acteur de théâtre serait plus complet, mais tous les acteurs de théâtre ne passent pas à l'image ou ne sont pas juste au cinéma. Donc c'est deux choses différentes, et dans le travail il y a toujours un rapport ludique, alors qu'il s'adresse différemment, mais que ce soit à une caméra ou à un micro où on peut jouer tout d'un coup avec la voix, faire des modalités, parler tout doucement. Si tout d'un coup je me mets à vous parler comme ça, j'amène des nuances, on peut amener des nuances qu'au théâtre on est obligé de projeter, d'articuler. Donc on va conclure l'interview par la question traditionnelle. Encore une fois, c'est en pensant aux comédiens du site. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, en quelques mots? Courage. Non, mais les conseils, c'est ce que j'ai dit, hein. C'est de travailler, de jouer, de se trouver le plus possible en situation de danger et de jeu, sous le regard de quelqu'un, parce qu'un acteur, contrairement à un musicien ou à un danseur ou à un peintre, ne peut pas travailler seul. Donc tu peux effectivement lire des textes, faire des exercices de diction, faire du travail physique ou de concentration, mais on a vite fait le tour, enfin en ce qui me concerne. Et c'est des choses auxquelles on peut revenir en tout cas tout le temps, mais pour moi la vraie difficulté c'est de... Et le conseil que je peux donner c'est essayer de se produire le plus possible. Dans toutes les circonstances. Moi je l'ai fait pendant 8 ans sans être payé, en montant des compagnies, où on a engagé un peu d'argent, récupéré quelques thunes, des fois c'était pas payé du tout parce que c'est un collègue des gens qui disaient, ou un metteur en scène qui me disait, bon on n'a pas d'argent, est-ce que tu accepterais d'eux? On a trouvé un lieu, on joue une fois, et puis j'étais toujours partant parce que je me disais, bon je vais devoir apprendre un texte, réfléchir à un personnage, comment je m'intègre dans un projet, voir le lieu du rendez-vous, et puis jouer devant des gens, il y en a 2, il y en a 10.